Copilotée par l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale pour la francophonie, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres vise plus particulièrement à moderniser l'enseignement du français, des matières scientifiques en français et de la pédagogie. En 2011, ce sont 11 000 instituteurs et élèves instituteurs exerçant prioritairement dans des zones rurales qui sont concernés par ce dispositif de formation qui allie ressources écrites, multimédia et Internet. Entre 2008 et 2010, Ifadem a été expérimenté dans quatre pays, le Bénin, le Burundi, Haïti et Madagascar. Avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, Ifadem est entré en phase de déploiement. 8 à 10 nouveaux pays rejoindront le projet d'ici 2015. La République démocratique du Congo l'a déjà fait cette année, le Niger et le Liban le feront en 2012. Le parcours de formation proposé par IFADEM dure 9 mois pour environ 250 heures. Il est dispensé en partie à distance, rythmé par deux ou trois regroupements et valorisé dans la carrière des enseignants. Les ministères de l'Éducation des pays partenaires, premiers acteurs de l'initiative, mettent en place les structures nationales d'IFADEM en partenariat avec l'AUF et l'OIF. Les supports de formation sont conçus par les équipes locales soutenues par des experts internationaux. IFADEM crée au sein des institutions de formation des maîtres des espaces numériques connectés à Internet. Les équipements informatiques sont secourus électriquement par des panneaux solaires. Ces installations participent au désenclavement numérique des provinces bénéficiaires. Ils permettent la formation des instituteurs et des élèves instituteurs à l'utilisation des technologies en lien direct avec leurs pratiques professionnelles. Avec IFADEM, l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie entendent appuyer les États dans le développement de stratégies de formation continue utilisant la formation à distance et contribuer à leurs efforts en faveur d'une éducation de qualité pour tous.